Utiliser le Live Controller, c'est très simple. On va d'abord appuyer sur la touche menu, puis sur l'écran principal, choisir Live Control. Et là, on peut assigner n'importe quelle fonction au Live Controller, au bouton rotatif, mais aussi au bouton linéaire. Mais aussi ce qu'on en peut faire. En sélectionnant les parties Right 1, Right 2, Right 3, on peut choisir une sonorité, par exemple une percussion, l'éditer. Et en appuyant sur la touche Memory, ici, il nous suffit de. Sur l'écran Voice principal, on peut choisir donc un effet et